Eh bien bonjour à tous, c'est Alain Crouvisier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce jeudi 21 mars 2024 pour ce nouveau bulletin neige qui est sponsorisé par Pierret Vacances. Alors cela fait maintenant plus d'une semaine que les conditions sont printanières dans nos stations de ski, avec donc malheureusement cet enneigement qui devient de plus en plus faible en moyenne montagne, comme ici du côté de Saint-François-Longchamp, dans les Alpes du Nord, en Savoie plus exactement. Alors justement, on va faire un point enneigement massif par massif. Alors, on relevait donc ce mercredi 20 mars 2024 en bas des pistes, donc 40 cm de neige du côté de Peyragudes dans les Pyrénées, 40 cm de neige également au Luron dans le Massif central. Sur les Alpes du Sud, on relevait 90 cm de neige à Valberg dans les Alpes-Maritimes, mais seulement 15 cm de neige à Serre-Chevalier sur l'extrême nord du massif. Et sur les Alpes du Nord, on relevait 1,08 m de neige en bas des pistes de Courchevel, ou encore 10 cm de neige seulement en bas des pistes du Corbier en Maurienne. Alors, très bonne nouvelle puisque la neige devrait à nouveau revenir en cette fin de semaine hein, dans nos stations de ski, parfois en dessous de 1000 mètres puisqu'on va avoir ce flux de nord-ouest hein, qui va se mettre en place avec donc une masse d'air beaucoup plus fraîche à partir de samedi puisqu'on sera sur des valeurs de l'ordre de 0 à moins 2 degrés à 850 hectopascales, sur environ 1400 mètres à l'air libre, voire moins 4 degrés en direction du nord-est du pays. Alors, dans le détail, ce jeudi, on aura parfois de l'instabilité entre les massifs de l'Est, le massif central et également les Alpes du Nord, où l'on attend 1 à 5 cm de neige au-dessus de 2200-2400 mètres. Ce vendredi, la journée s'annonce bien ensoleillée dans nos stations, même si on aura quelques nuages élevés qui circuleront justement à l'avant de ce net changement de temps qui sera effectif ce samedi. Alors, durant cette journée, on aura ce front froid actif qui concernera les massifs de l'Est, les Alpes du Nord et le Massif central plus ponctuellement. Et à l'arrière, on aura donc ce temps beaucoup plus frais avec les giboulées qui vont prendre le relais. Elles seront sous forme de neige, hein, donc parfois à assez basse altitude hein, dimanche matin. Et on pourrait relever donc au total de l'épisode donc 10 à 25 cm de neige vers 1400-1600 mètres sur les Alpes du Nord. Sur le Massif central, on attend une dizaine de centimètres de neige vers 1500 mètres. Et vers les massifs de l'Est, on prévoit 10 à 20 cm de neige vers 1200 mètres, voire 25 cm de neige en direction des Vosges. Et ensuite, la semaine prochaine, on resterait sous l'influence de ce courant océanique perturbé et frais, avec à la clé des chutes de neige qui seraient cette fois-ci généralisées dès la moyenne montagne. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve donc lundi pour un nouveau bulletin sur les 6 massifs français.